Magic intègre donc l'aventure The Voice Afrique francophone. Espérons qu'il en sera de même pour le prochain talent. Je m'appelle Youssoufa, et je suis sénégalais et j'ai 32 ans. Je suis chauffeur de taxi et ça me plaît, mais bon, je voudrais être un chanteur professionnel parce que c'est la musique qui est ma passion. J'ai fait des maquettes, souvent aussi je vais au studio et j'enregistre un morceau et souvent je l'écoute dans ma voiture. Et souvent j'ai des clients dans ma voiture et ils m'entendent chanter souvent. Et ils me demandent, mais celui-là qui chante là, c'est qui? Et ça va être surprenant de leur dire que c'est moi en fait qui a fait cette chanson-là. Qui a voulu que tu sois à The Voice? On l'a connu par le biais d'un ami. Ouais. Et qui m'a suggéré, parce qu'au début, j'étais pas au courant. Mais automatiquement... Dès que tu as su, tu as eu envie. J'ai dit que c'est mon rêve là qui est en train de se réaliser. D'avoir été retenu par The Voice, ça changera ma vie, sans nul doute. Parce que je suis un chauffeur de taxi et en fait, je vais dire que je suis de départ de zéro jusqu'à arriver au sommet. J'ai peur de perdre. J'ai peur d'être rejeté par les coachs. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Youssoufa. Youssoufa, t'as quel âge? 32 ans. T'as une magnifique voix. Merci beaucoup. Donc tu viens chez moi? Tu as des appoggiatures qui sont magnifiques. Donc tu viens chez moi? Bonne chance, moi je te guette, mais très très belle voix. Merci beaucoup. Merci. Je me suis régalé. Merci beaucoup. C'était tellement beau, c'était... Je me suis dit, mais est-ce que je vais pouvoir l'aider? Est-ce que je vais pouvoir lui apporter quelque chose? Parce que c'était tellement parfait que ben, je n'ai pas su quoi apporter de plus à cette magnifique voix. Moi, je ne savais même pas pourquoi tu t'es retourné. C'est quoi ton problème? Mais tu ne devais pas te retourner. Et pourquoi? Tu sais, quand le... Allez, c'est... Quand il commence par... Tu sais... Non... C'est le vendeur. Non, moi je me suis retourné parce qu'il m'a emporté. Et je savais que j'allais avoir en face de moi quelqu'un d'authentique. Quelqu'un de pas extravagant. Dans ta manière de chanter, on sent que tu dégageais quelque chose qui était en toi. Je savais que c'est quelqu'un qui avait la même philosophie que moi et qui pouvait venir avec moi. Parce que cette voix, j'ai besoin d'elle.
Maintenant. Singhi, la tête, toi. Non, je vais te dire une chose. C'est que tu m'as fait énormément de bien. Tu vois? Tu m'as fait énormément. Non. Vois comment on se bat pour toi. C'est que vraiment, ce que tu as fait, c'était exceptionnel. Non, mon frère. Il se met devant Singhi. Il se met là parce qu'il sait très bien que tu vas venir chez moi. Non, si je te dis tout ça, c'est parce que vraiment, tu m'as fait énormément de bien et je ne peux pas laisser un talent comme le tien. Je ne sais pas de quelle origine tu es, d'où tu viens, mais quoi qu'il en soit, il faut que le monde entende et ressente ce que j'ai ressenti. Tu chantes super bien, la mélodie que tu as choisie est exceptionnelle aussi. Donc, laisse-le choisir maintenant. Moi, j'ai détecté quelque chose en toi. Je vais le travailler avec toi. Et je pense que dans ce style-là, tu vas être le meilleur de ta génération. Les autres, je m'excuse d'abord si je ne vous choisis pas. Mais bon, c'est un peu difficile pour moi. J'ai choisi Singhila. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Merci. Merci, 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 merci. Tu vas pas le regretter, mon frère. Bonne chance avec Singhila. Bonne chance. Merci beaucoup. Vas-y. J'ai bien commencé, moi. Bravo, bravo, bravo. Pourquoi avoir choisi Singhila? On a un peu des touches personnelles qui se ressemblent. Oui. Quand il chante, moi, je me vois. D'accord. De par ça. Donc c'est normal. Et c'est normal. Bon. Eh, hey, Youssoupha, bravo. Merci beaucoup. T'es dégoûté, hein? Je te jure, j'aurais parié qu'il irait chez Asalfo. Ben oui. Moi aussi. Même moi, je pariais. Moi aussi. C'est curieux, hein? Mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est un artiste. C'est un artiste. Il veut prendre des risques, il veut tester des choses. C'est tout non, à mais son parce que toi, désormais, je t'empêche de te tourner, toi.